Bonjour. Aujourd'hui, avant de commencer cette revue de presse, j'aimerais vous parler du fils de Joe Biden. Alors écoutez, je ne vois vraiment pas beaucoup de réactions au tweet d'Elon Musk sur la non-propagation des informations concernant ce scandale sur Twitter. En effet, ces révélations, selon Elon Musk, ont été bloquées par Twitter au moment de la dernière campagne électorale américaine. Ce qui nous éclaire sur l'état de la démocratie américaine, et sur la nôtre également, car je ne vois pas beaucoup d'articles ni d'émissions en France sur ce sujet, à part ces quelques réflexions sur CNews. Une étape a toutefois été franchie ces derniers jours avec la divulgation par le nouveau patron de Twitter des pratiques de censure sous la précédente administration. Des pratiques de censure qui ont peut-être pesé sur la dernière élection présidentielle américaine. Et c'est là que ça nous intéresse. Samedi 17h, révélation sur Twitter, donc du fond de l'histoire Hunter Biden. Alors, on s'en souvient, Hunter Biden. Et c'est fascinant, c'est une plongée dans les courriels de la direction, dans les courriels qu'on s'échange pour justifier la censure d'une nouvelle qui pourrait troubler la présidentielle, c'est-à-dire favoriser la victoire du non-démocrate. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je résume en un mot. On s'en souvient, le portable d'Hunter Biden, son laptop est trouvé. Plusieurs rédactions refusent d'en parler, mais le New York Post, un journal marqué à droite, dit « Nous, on va en parler, il faut un article, on est le 14 octobre 2020, 3 semaines avant la présidentielle américaine. » Très rapidement, les autorités, à la demande du Comité national démocrate, qui multipliait les demandes, d'autant qu'il y avait plein de connexions entre le Comité national démocrate et le personnel de Twitter, qui penchait, je dirais, à 126% vers les démocrates, environ, de manière modérée. Mais qu'est-ce qu'on voit? On dit qu'il faut bloquer cette nouvelle le plus rapidement possible parce qu'elle pourrait, comme en 2016, avec la question des courriels d'Hillary Clinton, elle pourrait faire basculer la campagne et faire en sorte que les démocrates perdent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se trouver une manière d'empêcher cette nouvelle de circuler. Donc là, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher la nouvelle concernant le portable de Hunter Biden de circuler. Eh bien, on va se dire, il faut multiplier ça, présenter ça comme une fausse nouvelle. Il faut trouver un prétexte, mais on ne le trouve pas vraiment. On va dire, on va traiter ça comme si c'était de la pornographie juvénile. Donc, vous cliquez sur le lien de l'article de New York Post, et là, ça vous conduit danger, spam, très dangereux. Vous ne pouvez pas cliquer sur ce lien. Ceux qui le relaient, par exemple, la porte-parole de Donald Trump, néanmoins, hop, elle est suspendue de Twitter pendant un temps. C'est assez fascinant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Tout l'écosystème Twitter se met en place pour empêcher la circulation d'une nouvelle qui pourtant est d'intérêt public pour plusieurs dans la présidentielle américaine. Et ce qui est drôle, c'est qu'on les voit débattre entre eux dans la série de courriels révélés par Musk. Plusieurs disent « Non, mais ça marche pas. La raison qu'on donne pour la censure, elle ne fonctionne pas. Ça va nous causer des soucis. » Et là, ils répondent « Peu importe, il faut censurer. La censure est nécessaire. » Ils la ressentent comme parce que sinon, ça pourrait troubler la présidentielle. Trouver la raison ensuite, ça viendra en temps et lieu. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? L'enjeu, c'est pas le contenu du laptop. Hein, on y reviendra s'ils le font un jour, mais c'est plus du détail. L'enjeu, c'est que des gens d'une puissance, d'une hyper-puissance qui s'appelle Twitter, se sont permis d'interdire la circulation de certaines informations parce que ça pouvait troubler le résultat d'une élection telle qu'ils la voyaient. C'est intéressant. Kiev qui aurait visé des bases aériennes russes, a priori à l'aide de drones. Une tactique assez inattendue, Nicolas Tonev, qui ouvre d'ailleurs un nouveau front dans la guerre. Oui, plus de 500 km à l'intérieur du territoire russe. C'est d'une part un signal envoyé à la population. La guerre d'Ukraine peut vous rejoindre loin du front, en pleine Russie de l'Ouest. Ensuite, un signal aux militaires. Création d'incertitude, vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Les bases de Ryazan et surtout d'Engels sont très importantes pour l'armée de l'air russe d'une manière générale en accueillant les bombardiers stratégiques les plus performants comme les Tupolev 160, mais surtout dans le cadre de l'offensive en Ukraine. Des Tupolev 22 et 95 en décolle, ces deux types d'appareils sont très utilisés pour larguer les missiles air-sol qui frappent l'Ukraine. Un Tupolev 95 de plus de 50 mètres d'envergure en embarque jusqu'à 8 à la fois. Alors avec les avions endommagés lors de ces frappes, l'armée de l'air russe pourrait être obligée de se replier vers des bases plus lointaines avec les problèmes que cela entraîne. Redéploiement logistique lourd, avions décollant de plus loin et donc repérés plus tôt par les satellites et possibilité en bout de chaîne pour l'Ukraine de mettre en alerte plus tôt ses défenses antimissiles. Je pense aujourd'hui que le combat dérive. Je veux dire par là que la France, pour moi, gaullienne, devrait prendre ses distances et avoir une position d'arbitre. Car aujourd'hui, l'objectif de Zelensky, c'est plus de défendre l'Ukraine,
c'est en sacrifiant son peuple d'être l'instrument de la destruction de la Russie. Sacrifier et c'est une très grave erreur. Sacrifier son très peuple. Grave erreur, oui. Le peuple ukrainien souffre comme jamais parce que aujourd'hui on est parti dans une dérive. Et je persiste à penser, d'abord que ce conflit aurait pu être évité si la France avait fait respecter les accords de Minsk, que les torts sont beaucoup plus partagés qu'on ne le dit, et qu'il faut maintenant, je finis parce que c'est une affaire tellement grave, que c'est le moment, et ce serait le rôle de la France, comme le fait très bien et d'ailleurs Israël ou la Turquie, pour une fois, moi qui suis très hostile à la Turquie dans certaines positions, la Turquie a eu une position beaucoup plus intelligente, c'est le moment d'éviter le suicide de l'Europe, car ce conflit nous entraîne au suicide économique et social. Vous avez dit, Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est le moment de faire la paix, de trouver un compromis entre les deux et de calmer Zelensky. Vous avez dit... Recevons Jacques Beau, ancien colonel du renseignement stratégique suisse. Bonjour Monsieur Jacques Beau. Bonjour. Et François Martin, géopolitologue. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Il a été, effectivement, il faut rappeler, en 2014 à Maïdan, il était à l'OTAN à l'époque, c'est bien ça, c'est Jacques exact, Beau. C'est exact. Pour ce qui est passé de cette révolution, avec beaucoup de guillemets, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je voudrais qu'on parle aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler. Parce que, vous savez, on nous dit toujours, mais pourquoi vous revenez sur un certain nombre de choses? Je dois dire que, il faut le dire, il y a quand même une doxa sur l'Ukraine-Russie. Il est impossible de continuer à faire du manichéisme absolument caricatural, le camp du bien, le camp du mal. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sait de plus en plus. Et grâce à aux personnes que nous recevons, nous savons un peu, parce que ce sont des personnes qui sont allées sur le terrain, qui connaissent le terrain, et qui en tout cas ont pris le temps de réfléchir aussi. Alors, François Martin, quand j'ai lu vos chroniques de Chroniques Stratèges et ailleurs, et puis quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit, vous voyez, il y a une dimension dont on ne parle pas beaucoup, c'est cette dimension culturelle ou civilisationnelle, ou surtout religieuse. C'est ça, bien sûr. Elle joue énormément, vous savez. Il y a plusieurs dimensions. Il y a évidemment la dimension militaire, c'est une chose. Il y a la dimension géopolitique, c'en est une deuxième. Et la dimension idéologique, culturelle ou religieuse, qui en est une troisième, avec des logiques différentes et des dates et des possibilités. Donc, il faut bien regarder les trois. Alors, parlons de celle-là. Voilà, la troisième. Oui, la troisième. Alors, absolument. Si vous voulez, moi, je suis reparti des réflexions qui dit, voilà, nous sommes, en gros, des enfants de Rome et les Russes sont des enfants de Byzance. Le monde russe, en gros, qui comprend une partie de l'Ukraine et la Russie, est un monde qui est naturellement protecteur de la religion, donc d'accord, naturellement conservateur et naturellement spiritualiste. Donc nous avons à l'ouest une civilisation qui est profondément progressiste et anti-religieuse, puisque cette religion civile a été s'est construite contre la religion et l'a détruite. Elle a détruit pratiquement complètement. Il y a aujourd'hui que quelques résistants qui sont encore religieux, mais le monde occidental, en gros, ne l'est pas. Avez à l'Est une société qui, elle, s'accroche à ses fondements. Voilà, c'est ça. L'Ukraine de l'Ouest, elle est plutôt dans le marché. Et nous, la derrière. Consommation, et nous, derrière. Bien sûr, parce que il faut toujours considérer qu'on peut traduire ça en une phrase. La constitution russe a institué le fait que la famille, c'était un homme, une femme et des enfants. Bon, d'ailleurs, le discours de Poutine sur le woke et la cancel culture pendant une demi-heure, il n'a parlé que de ça. C'est insupportable pour l'Ouest. Mm-hmm. Parce que l'Ouest, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché, dans le système que nous vivons aujourd'hui, a pris une telle importance qu'il a eu tendance à détruire tous les fondements familiaux. Et vous, ce que vous dites, c'est un très intéressant à discuter, François Martin, c'est que la guerre, c'est pas seulement Ukraine, Russie, OTAN, c'est derrière une guerre de conception d'être au monde. Oui, absolument. Religieux, culturel et autres. Anthropologique. Et anthropologique. Avant tout. C'est avant d'abord tout. Un conflit d'anthropologie. Très il y a bien. À l'Est une conception de l'anthropologie et à l'Ouest, il n'y en a pas. Jacques Beau, vous avez écouté ce que disait effectivement François Martin, le culturel, on a parlé du culturel, du choc religieux, civilisationnel, et puis il y a le géopolitique, et il y a le militaire. Est-ce que vous pensez que ce sont trois divisions, ou ce sont évidemment tout ça s'interpénètre, à votre avis ? Je pense qu'il faut... Je nuancerai un petit peu le propos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre un contexte général...
culturel, qui est évidemment différent entre l'Est et l'Ouest. D'ailleurs, il n'est pas, la Russie n'est pas exclusivement dans ce jeu. On voit que la limite culturelle, elle se trouve déjà au sein de l'Europe, puisque les pays de l'Est européen, notamment les pays baltes, la Pologne et l'Ukraine, sont des pays qui appartiennent à ce traditionnalisme religieux, plutôt catholique chez les Polonais. On a vu les attitudes de la Hongrie et de la Pologne là-dessus. Voilà, et la Hongrie aussi, d'ailleurs. C'est des pays qui sont très attachés aux valeurs traditionnelles. Donc, la limite, si vous voulez, la scission se trouve pas en Russie, elle se trouve déjà au sein de l'Europe elle-même. Et c'est d'ailleurs un des problèmes pour l'Europe, puisqu'on a vu que la Pologne avait voté pour que son droit constitutionnel prime le droit européen, ce qui a fâché les Européens, et puis on a le problème de la Hongrie avec le problème LGBT. Et le problème LGBT, il y a le même problème en Ukraine. D'ailleurs, il est assez surprenant que les Occidentaux ont financé et soutenu des groupes qui sont pas seulement ouvertement, mais qui pratiquent de manière éhontée la lutte contre les LGBT en Ukraine. Donc, il y a un contexte général qui, effectivement, probablement, là, je n'ai pas... je veux bien comprendre tout ce que dit monsieur Martin, qui est certainement juste, mais je pense que c'est un contexte général. Ça n'est pas pour ça qu'il y a une guerre. La guerre, et je pense que c'est important de le dire, la raison pour laquelle Vladimir Poutine est intervenu en Ukraine, c'est les exactions commises contre la population du Donbass. Et il est entré... Depuis 2014. Depuis 2014. Ça. Et il est intervenu en Ukraine sous le principe, d'ailleurs onusien, de la responsabilité de protéger. R2P, Responsibility to Protect, qui est un principe qui a été énoncé quelques années après l'affaire du Rwanda, qui dit que quand on voit une population qui subit des exactions, il y a un devoir de la communauté internationale ou des voisins d'intervenir pour empêcher ça. Et c'est le principe, à tort ou à raison. On peut discuter, mais c'est ça. Oui. Ensuite, c'est le prétexte plutôt. Les Russes utiliseront certainement ça pour atteindre d'autres objectifs. C'est ça. Et ça, on est Clausewitz, n'est-ce pas? C'est de transformer un objectif... La coordination de la politique par d'autres moyens. C'est exactement ça. Et donc, si vous voulez, on a donné un prétexte. Parce que quand on dit que... bien sûr, ils sont intervenus. Mais si notre diplomatie avait été active dès 2014, avait fait respecter les accords de Minsk, s'était insurgé contre les exactions des populations du Donbass, eh bien, il n'y aurait pas eu d'intervention. Je rappelle d'ailleurs, c'est intéressant parce que juste ces derniers jours, on voit que Biden veut commencer à parler à Poutine alors qu'il voulait pas parler au diable, etc. Et maintenant, il a dit qu'il voulait s'asseoir avec lui. Macron cherche une voie pour discuter avec Poutine. Scholz téléphone à Poutine. Et qu'est-ce qu'on lui propose? De revenir aux conditions que Poutine avait demandées en décembre de l'année passée. C'est trop tard. C'est donc décembre 2021. Décembre 2021. C'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aurait eu mieux fait d'écouter Poutine à ce moment-là, de s'asseoir à la table de négociation à ce moment-là, et d'éviter le conflit. Donc, on est bien loin. De nouveau, il y a un contexte général, mais c'est pas seulement d'ailleurs, il y a des divisions qu'on a entre nous et le monde judaïque, il y a des divisions entre nous et le monde islamique, il y a des divisions entre nous et le monde hindou. On a des visions du monde différentes. Et ça n'est pas pour ça qu'on fait des guerres. En revanche, dès qu'il y a un élément qui permet de catalyser les haines, et c'est le cas des populations de Donbass, eh bien, nous-mêmes, nous avons créé les conditions pour que Vladimir Poutine attaque. Alors, la Russie n'a pas été attaquée, mais la population du Donbass a été attaquée. Et ce, depuis 2014. Et ça, c'est la perception des Russes. Mais ce qui est très étonnant, d'ailleurs, et je vais donner la parole à François Martin, ce qui est très étonnant, c'est qu'on se rappelle, vous en rappelez bien sûr, et certains, c'est qu'en 1999, quand on a attaqué la Yougoslavie, quand l'OTAN a attaqué sans
l'assentiment de l'ONU, sans la permission de l'ONU, la Yougoslavie, et a dépecé ce pays, Kosovo et compagnie. Et l'a bombardé pendant 72 jours sans discontinuer, ce qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui. C'est vrai. Je ne sache pas qu'il y ait eu une tempête de protestation contre les salauds de l'OTAN, à l'époque. Alors, François Martin, pour vous, quand même, ce que dit Jacques Bouille, c'est-à-dire qu'effectivement, Poutine, quand même, poursuivait aussi d'autres objectifs. Bien sûr. Alors, il y a d'abord un objectif géopolitique. Là, on parle géopolitique, oui. Voilà, dans les articles que j'ai écrits, il y en avait un que j'avais titré l'Ukraine, ce n'est pas les Sudètes, c'est Cuba. C'est-à-dire que, et Poutine, dès le début de la guerre, a dit à son peuple dans une intervention, nous ne pourrons pas vivre avec un pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que c'est ne pas intervenir en Ukraine et laisser otaniser l'Ukraine, qui est otanisée depuis 2014. Jacques Beau me dira pas le contraire, avec la base de Yavoriv qui entraînait depuis 2014 les supplétifs étrangers, anglais, baltes, polonais, etc. Pourquoi ? Sous l'égide de l'OTAN, non ? Sous l'égide de l'OTAN, oui. Mais qui s'appelle pas l'OTAN, mais qui s'appelle le Partenariat pour la Paix, Ukraine-OTAN. Donc, il y a une otanisation progressive. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu également la question des laboratoires, etc. Il y a eu une formation. Lorsque le gouvernement a sauté en 2014, Victoria Nuland avait fixé l'axe très clair. Qui est Victoria Nuland, la numéro 3 du département d'État, qui est l'égérie, en fait, de la question de l'Ukraine et qui agissait à l'époque sous l'égide de Biden, qui était le vice-président et qui était l'homme de l'Ukraine. Donc Biden connaît parfaitement l'Ukraine. C'est pour ça que son fils avait des intérêts en Ukraine, etc. Elle avait fixé au gouvernement un axe qui consistait à dire qu'il fallait pousser les Russes au conflit armé. C'était ça l'axe. Donc, avec deux axes principaux. L'un, c'était donc interdire le russe, etc., toutes les opérations de provocation, d'une part, pour pousser les Russes au conflit armé. Et l'autre, c'était créer, à la limite du Donbass, une ligne défensive, qui est cette ligne Maginot dont on parle, avec des wagons enterrés sous 5 mètres de béton, etc. Toute une ligne défensive, qui est celle qui existe aujourd'hui, de façon à ce que les Russes se fassent écrabouiller en attaquant cette ligne à travers le Donbass, puisque on pensait à l'époque. Or, c'est pas ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont attaqué à la fois par le nord et par le sud, et dans une certaine mesure, ils ont réussi à enfermer un certain nombre de soldats à Mariupol ou ailleurs, donc ils n'ont pas fait ce qui était attendu. Mais la ligne politique, c'était celle-là, c'était de pousser les Russes au conflit armé, c'était ça la ligne politique. Alors Jacques Beau, ils ont réussi, leur ligne politique, si c'était ça, de pousser les Russes au conflit armé, ils ont réussi, mais aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, Jacques Beau, on a l'impression que malgré tout, même si les producteurs d'armes ne chôment pas, et c'est le moins que l'on puisse dire, et les marchands d'armes non plus, on a l'impression qu'il y a un certain épuisement des stocks en ce moment. Alors effectivement, d'abord, les Occidentaux sont trouvés devant plusieurs problèmes. Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que toutes les armes qui sont fournies aujourd'hui à l'Ukraine ne sont que la portion congrue en nombre de ce qu'ils avaient en février. Donc aujourd'hui, on leur donne 50 lance-fusées multiples, mais en fait, ils en avaient 400 ou 500 en février. Ils ont été détruits. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne remplace pas ce qui a été détruit, on ne fait que qu'alimenter le conflit en réalité. Ouais. Et puis les 50, quand on parle des 50 les HIMARS américains, les Américains ont donné peut-être 30 ou 40, on ne sait pas exactement le chiffre. Rappelez les HIMARS. C'est des lance-fusées multiples américains. C'est ça. Eh bien, on en donne 50 et on dit ça va transformer la guerre, ça va permettre de changer la donne. Mais quand vous regardez la Pologne, on a commandé 500. 500. En Pologne, ouais. Alors, et la Pologne veut manifestement se défendre contre une Russie qui a d'ailleurs perdu tous ses missiles, qui a perdu tous ses chars, qui a perdu toutes ses troupes, etc. Mais elle a quand même 500 HIMARS. Et on pense que l'Ukraine va changer la donne avec 50. Allez, c'est là, il y a déjà une perception des Occidentaux qui est extrêmement faussée, qui est faussée aussi par le fait qu'on a un peu doré l'image du conflit côté ukrainien. Ouais. Et
Oui, les matériels qu'on a envoyés sont généralement d'ailleurs des matériels, des vieux matériels, des matériels de surplus, parce qu'on n'a pas voulu dégarnir nos propres arsenaux, ce qui est assez logique, et on n'avait pas de réserve ou de masse de manœuvre pour fournir à l'Ukraine. L'Ukraine utilise d'ailleurs une consommation, c'est pour ça qu'aujourd'hui les Américains sont extrêmement réticents à donner des armes, parce que oui, prenez les obusiers 777 qui ont été fournis les M777 qui ont été fournis aux Ukrainiens. Les Américains les utilisaient en Afghanistan avec une cadence de tir de 300 coups par jour. À peu près. En Afghanistan, oui. En Afghanistan. Les Ukrainiens les utilisent avec une cadence de tir de 2 à 3000 coups par jour. C'est ça. C'est-à-dire que l'usure du matériel est très différente. Le matériel et en fait, ces matériels, et c'est même de l'aveu même des Ukrainiens, de nouveau, je ne cite que des sources ukrainiennes ou américaines, il y a plus de 30% de ce matériel qui est constamment en panne. Et qui doit être réparé. Et puis, il y a encore un chiffre, c'est que les Russes, eux, par jour, tirent 30 à 40 000 coups. Ah, et pas 3 000 comme les Ukrainiens. Donc, ça veut dire qu'on a, et ça, c'est des chiffres qui étaient, il y a différents chiffres, ils ont été donnés par le New York Times. Donc, on donne des armes sur la base de calculations qui ont été faites dans des contextes opérationnels très différents, avec des troupes entraînées très différemment. Non, bien sûr. Pour des applications et des utilisations très différentes. Parce que les armes que nous donnons sont des armes de précision. Alors que les Russes utilisent des armes de masse. Ils tirent en grappe, si vous voulez. Et donc, on a une inadéquation des matériels qu'on donne, des matériels qui sont trop anciens. Et maintenant, les Ukrainiens utilisant tellement de munitions, enfin plus que ce qui était prévu par les Occidentaux, que les Occidentaux sont en train de s'acharner, les Américains notamment, de réactiver des usines qui produisaient de la munition de l'époque du pacte de Varsovie dans les pays d'Europe de l'Est. Mais moi, je voudrais revenir quand même au marché, parce qu'il ne faut jamais oublier que pendant la guerre, les affaires continuent plus que jamais. Et alors, il y a ce tweet que nous avons vérifié. Le gouvernement ukrainien met actuellement en vente pour les pays africains, des stocks entiers d'armes et de munitions livrés par l'OTAN, bien sûr. François Martin, vous parlez de géopolitique, mais regardez, c'est encore le business partout, voilà. Oui. L'Ukraine, voilà, prenez tout, ces soldes, tout doit disparaître. Absolument, absolument. Alors, il faut donner un élément pour permettre bien aux gens de comprendre, c'est le fait que jusqu'en 91, l'Ukraine fabriquait 30% de l'ensemble des armes pour toute l'Union soviétique. Donc c'était gigantesque. Ah bon, les fabriques étaient en Ukraine. En Ukraine, voilà. Ouais. Et jusqu'en 91, jusqu'à la fin de l'URSS. Absolument. Ouais. Et à ce moment-là, quand ils se sont retrouvés indépendants, donc ils ont dealé avec les Russes pour que les Russes reprennent les ogives nucléaires, mais par contre, ils ont gardé les armes. Et ils les ont vendues pour leur propre compte. Donc, l'Ukraine a gardé son pouvoir de fabrique des armes. Mais pourtant, il en demande du matin au soir à l'OTAN et à l'Europe et à tout le monde. À l'époque, ils ont vendu les stocks. Ah, d'accord. Ils ont vendu les stocks. Donc, ça veut dire que le pouvoir, si vous voulez, le trafic d'armes est consubstantiel au régime ukrainien depuis 91. Depuis l'époque. Parce que ce sont les oligarques, évidemment, qui sont enrichis, les chefs de l'armée, etc., le pouvoir. Donc, je pense que la composante qui consiste à détourner les armes qui sont données est une composante essentielle du conflit dont on ne parle pas assez. Je pense que l'un des intérêts de Zelensky et de ceux qui sont autour de lui, c'est de continuer par tous les moyens, au sacrifice de son peuple, etc., à demander toujours plus d'armes et toujours plus de prêts, parce qu'il y a une grande partie, on parle de 50% de ces armes et de ces prêts qui sont détournés. Donc ils s'enrichissent d'une façon absolument ahurissante. Et vous savez que quand vous avez des détournements, le détournement n'est pas que en aval, mais ça remonte. C'est-à-dire qu'on corrompt aussi les corrupteurs. Effectivement, après la chute de l'URSS, l'Ukraine a basé une partie de ses activités économiques sur la vente d'armes. La vente d'armes qu'elle produisait et aussi les stocks de l'URSS, qui n'appartenaient plus à l'URSS. Donc, quand les Russes ou les Soviétiques
ont laissé les républiques devenir indépendantes, elles ont laissé les équipements qui étaient sur place aux nouvelles républiques. Donc elles étaient libres d'en disposer, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens. Donc ça, ils l'ont fait légalement. Alors, moralement, on peut discuter, mais légalement, ils l'ont fait. Et c'est devenu, pendant des années, l'Ukraine est devenue un des principaux exportateurs d'armes, notamment vers des pays d'Asie et d'Afrique. Et trafiquant d'armes aussi, cher Jacques Beau. Alors, oui, oui, mais bon, le commerce d'armes va aussi avec le trafic. Ça reste du trafic quand ça c'est du commerce quand ça quitte l'Ukraine. Ça devient du trafic quand ça entre quelque part, parce que souvent il faut contourner des législations. Mais on va peut-être pas entrer dans tous les détails. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce que ça n'est pas le produit de l'Ukraine qui est vendu, c'est le produit des dons occidentaux à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on a aidé l'Ukraine et cette aide se retrouve en Afrique. Donc là, il y a... Pas complètement. Mais il y a là, donc, c'est là qu'est le problème, si vous voulez. C'est que nous faisons des sacrifices et ça enrichit indûment d'autres personnes. Alors, ça fait très longtemps d'ailleurs que les Américains indiquent ça. Ils ont d'ailleurs beaucoup de réticence à donner des armes de haute technologie aux Ukrainiens, précisément pour ça. On sait qu'il y a des canons César qui, à peine arrivés en Ukraine, ont été vendus aux Russes. Des HIMARS qui, à peine arrivés en Ukraine, ont été vendus aux Russes. Et maintenant, les Russes ont démantelé ces appareils, ont réajusté leur logiciel. Par exemple, le HIMARS, maintenant, les Russes ont développé un logiciel qui permet de lutter efficacement contre les HIMARS, ce qui fait que maintenant, dès qu'un HIMARS est tiré, il est abattu presque immédiatement, parce que les logiciels ont été adaptés grâce à au reverse engineering. Alors, donc ça c'est c'est ça qui est un peu perturbant, et les Américains, et la presse américaine notamment, pas la presse francophone européenne, mais les médias américains ont mis le doigt là-dessus. Alors moi aussi beaucoup, parce que aux États-Unis, on revient d'ailleurs à ce que vous aviez évoqué, c'est le côté politique intérieure, parce que évidemment les républicains aux États-Unis se sont inquiétés de l'absence de surveillance de la gestion le fait est que nous livrons des armes à un pays qui était, selon d'ailleurs les rapports de Transparency International, qui était le pays le plus corrompu d'Europe depuis des années, et le fait que les armes soient détournées n'est rien d'autre qu'une démonstration de cette corruption, parce que ça finance évidemment des individus à l'intérieur de l'Ukraine. Et on sait donc depuis très longtemps, les armes, vous savez qu'on livre les petites armes, les grosses, ça prend des chemins différents, les petites, des armes légères, et j'étais responsable des armes légères à l'OTAN, comme vous le savez, les armes légères qui vont à destination de l'Ukraine arrivent en Pologne, sont chargées dans des véhicules légers, des camionnettes, parce que c'est moins visible, c'est moins détectable. Mais sinon, on bombarde les convois. Exactement. Etc. Ouais. Et donc, ces armes qui sont dans des petites camionnettes légères ou des minivans, etc., partent en essaim dans la nature. Et évidemment, on ne sait pas. On n'a pas de moyen de contrôle pour savoir où ça va. Et il n'y a pas de compta. Les Américains estimaient qu'il y avait environ 30 à 40% des armes qui atteignaient le front. Et on a retrouvé des armes aux mains des mafias albanaises. On a retrouvé, et le premier ministre nigérian, alerté il y a déjà quelques jours la communauté internationale en disant que les armes distribuées à l'Ukraine apparaissaient arrivées au Nigeria et dans l'Afrique, dans toute l'Afrique occidentale. C'est-à-dire, ça va comprendre des régions comme le Mali, ça peut, etc. Et dites-moi, je ne veux pas être mauvais esprit, demain, près de chez nous, en Seine-Saint-Denis ? Alors, certains disent que certaines armes sont déjà chez nous. Donc, en clair, le chef de la police, c'était, sauf erreur, de Finlande, avait dit que déjà des armes distribuées en Ukraine, donc on parle d'armes légères, on parle évidemment pas de grosses armes, mais d'armes légères, et je vous rappelle que parmi les armes légères, il y a également des armes anti-aériennes, des armes anti-chars, et certaines armes légères avaient été repérées dans les mains de gangs en Scandinavie, en Finlande,
et en Suède. De nos aéroports. Donc, ça veut dire que... Ça promet tout ça, dis donc, ça va nous réjouir le cœur. Hein, lundi, c'est bien, c'est bien. Voilà, et c'est pour ça que les Républicains avaient proposé des mécanismes de contrôle et de surveillance que... À l'époque, alors on était avant les midterms, évidemment, et les élections de midterms, de mi-mandat aux États-Unis, les démocrates avaient refusé de mettre en place un mécanisme de surveillance. Parce que la bordélisation de ce qui se trouve en dehors de leur limèse est toujours une de leurs politiques, en fait. Les gros titres de la presse chinoise ce mardi. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, le changement de ton dans la presse officielle concernant le Covid. Le Covid qui n'est pas plus dangereux qu'un gros rhume, écrit le magazine Yitzhai, pour justifier qu'une douzaine de villes ont levé les mesures de contrôle et de confinement, écrit le Global Times. Il ne s'agit pas de baisser les bras, rappelle le quotidien du peuple, mais de prendre en compte la faible létalité du variant Omicron. Mais attention, rappelle le Global Times, pas question de rouvrir le pays trop rapidement, mais plutôt d'offrir de meilleures conditions de vie à la population, finit en tout cas les articles trop alarmistes sur les ravages de l'épidémie et le décompte interminable des malades. Place désormais à des reportages plus positifs sur la vaccination et la réouverture des commerces depuis cette semaine dans le pays. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Eh bien de l'état de santé de Pelé. Samedi, la Folha de São Paulo a semé la panique en indiquant que l'ancienne gloire du football brésilien avait été placée en soins palliatifs car il ne répondait plus favorablement à la chimiothérapie qu'il suit pour traiter un cancer. L'information a été démentie quelques heures plus tard via un communiqué de l'hôpital Albert Einstein et un message sur le compte Instagram de Pelé, repris notamment par l'Estado de São Paulo, s'est voulu rassurant. Sur le site G1, Kelly et Flavia, les deux filles de Pelé, ont expliqué qu'il avait en fait contracté le Covid et qu'il souffrait d'une infection respiratoire, mais qu'il allait bien. De quoi calmer les angoisses des admirateurs du roi Pelé. Des centaines d'entre eux, souligne le quotidien sportif Placard, se sont rendus devant l'hôpital où se trouve leur idole pour prier et lui témoigner leur soutien. De quoi traite la presse algérienne ? Eh bien, du projet Galci, un vieux projet de gazoduc qui devrait relier l'Algérie à l'Italie en passant par la Sardaigne et qui vient d'être ressorti des tiroirs. Les deux pays sont déjà reliés par un gazoduc, rappelle le jeune indépendant. Il s'agit du Transmed qui permet l'exportation de gaz naturel algérien vers l'Italie via la Tunisie. Depuis les déboires espagnols avec Alger, Rome est devenue un partenaire énergétique de choix pour l'Algérie, explique le journal. D'après Maghreb Émergent, le lancement d'un deuxième gazoduc devrait renforcer la position de l'Italie dans ce continent qui subit de plein fouet les conséquences énergétiques de la crise russo-ukrainienne. Pour sa part, Algérie Echo écrit « L'éventuelle relance du gazoduc Galci a été une véritable surprise révélée par le ministre algérien de l'énergie qui a assisté à une conférence à Rome. » Michel Onfray, on a beaucoup parlé des coupures d'énergie qui inquiètent les Français, des délestages qui pourraient avoir lieu dans les jours les plus froids de l'hiver. Qu'est-ce que ça dit de notre France, de notre pays, septième puissance mondiale ? Ça dit que c'est fini, la puissance de la France. Ça fait 30 ans qu'on nous rebat les oreilles avec l'Europe de Maastricht en nous disant que cette Europe, elle sera formidable, qu'on n'a plus besoin d'une souveraineté nationale, qu'on aura une souveraineté européenne, qu'on aura la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, qu'on n'aura plus de guerre. Et puis là, on voit que l'Europe est en guerre, qu'il y a des problèmes avec l'Ukraine, que nous avons quasiment des tickets de rationnement, qu'on nous invite à acheter des bougies, qu'on nous fait savoir que les enfants n'iront plus à l'école. On n'avait pas besoin de ça avec deux années de Covid qui ont privé les enfants des classes primaires de l'école. On nous dit vous n'aurez plus besoin d'aller à l'école, les enfants, vous pourrez rester chez vos parents. Et tout ça est assez déplorable. C'est-à-dire qu'on nous a dit renoncez à votre souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne. Nous avons renoncé à notre souveraineté nationale. Il n'y a pas de souveraineté européenne et nous nous retrouvons à acheter des bougies et à faire face à des coupures de courant. Qu'est-ce que vous inspire le fait que Paris n'est quasiment pas délestable ? Donc symboliquement, au gouvernement, on nous explique que les délestages commenceront vraisemblablement par Paris. Et comme Paris n'est pas délestable, forcément, ça peut créer ce sentiment, c'est pas la première fois, du fait que Paris est privilégié, qu'on commence toujours par s'attaquer à la province. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc on commencera sans doute mécaniquement par quelqu'un qui habite dans une maison reculée, par des petits villages. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, ce plan du gouvernement, justement sur cet aspect-là ?
Bah, ça dit que Macron ose tout et que c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. C'est-à-dire que, de manière extrêmement cynique, il nous fait savoir que Paris n'est pas la province et que, à Paris, on va vivre tranquillement. Il y aura le chauffage, il y aura l'électricité. On pourra toujours rouler en trottinette électrique, en voiture électrique, pendant qu'on va demander aux gens de province qu'ils fassent, eux, des efforts. Ce sont des gens qui sont déjà interdits de rouler en voiture diesel, à qui on dit qu'ils ne peuvent pas accéder à Paris avec leur voiture. Moi, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que Paris nous montrerait un petit peu l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près, depuis Philippe le Bel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi et qui nous dit « vous allez morfler, vous, en province, nous, on va continuer à vivre tranquillement ». Comme si les gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait. Vous pensez que le rayonnement français par sa culture en 2022 est inférieur à ce qu'il était il y a 25 ans, 30 ans, 100 ans? Ou est-ce que c'est encore quelque chose dont on peut vaguement s'enorgueillir? Bah, écoutez, Jérôme, vous avez la culture qui vous permet de le savoir, et tout le monde sur ce plateau, mais souvenez-vous des obsèques de Victor Hugo, vous aviez, dit-on, 1 million de gens dans la rue. Le nombre d'habitants n'était pas le même à l'époque de Victor Hugo qu'aujourd'hui, évidemment. Quel écrivain aujourd'hui serait accompagné par 1 million de gens à Paris, voire un peu plus d'1 million de gens? C'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on célèbre des footballeurs, on célèbre des chanteurs, des rappeurs, on célèbre des gens du showbiz, des gens de la télévision, mais pas des écrivains. On fait semblant, quand Jean d'Ormesson meurt, on met un petit crayon à papier qu'on tient avec un scotch sur son cercueil, et puis on fait une espèce de discours qui a été écrit par la plume du président, mais plus personne n'y croit. On fait semblant. Non, nous avons été, nous nous sommes déclassés en tout. Notre littérature ne fait plus la loi comme elle le faisait jadis. C'est-à-dire le roman américain, par exemple, prenait modèle sur le roman, sinon français, du moins européen. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. Et le déclassement, il est général et généralisé, bien sûr.